On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul homme qui a fait la bande. Rédicace, Thierry Duval, Rédicace, Franck Diva, Maradja est deuxième, Maradja qui revient sur Rédicace, Rédicace, Maradja les deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck Diva. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de Vincennes. Super, des bons trotteurs, prix Bernard Lequellec, 2700 mètres grande piste, 16 partants, moins 1 Goffy Greenwood qui reste au box. Il n'avait pas envie de courir donc j'espère que le cheval va très bien. Petit quintet sympa, voilà, peut-être un petit peu ouvert, il peut y avoir des surprises, mais je pense que sur le papier pur, c'est assez limpide. On démarre les bases de jeu. Alors mon gagnant, le numéro 13, Crusoe d'Anama, déféré des 4, il a 8 ans, il affronte les 6 ans, les Européens. La dernière fois, il vient de rendre 25 mètres sur Vincennes très facilement, dans des partiels assez folles. Entre guillemets, deux courses chez Bazir, deux fois déféré des 4, deux victoires. Il vient de se préparer sur Alençon pour ce quintet-là. Si le cheval nous refait les mêmes chronos, je pense qu'il va être dur à battre. Deuxième base, le 16, Canular, déféré des 4, Yoann Le Bourgeois qui en tire la quintessence, le plus riche de l'épreuve. C'est un cheval qui a la valeur GNT, s'est préparé sur l'herbe cet été, ça a dû lui redonner un maximum de morale. Il n'a pas couru depuis un mois, mais ça, le cheval, il sait faire, c'est un petit dur, je serais très déçu de ne pas le voir dans les 3. Le challenger, le numéro 11, Britzel, déféré des 4, Björn Gould, driver entraîneur, vient de faire une rentrée dans un bien meilleur lot sur Solvalla. Un cheval qui fait 2100, 2007, 2008, très très bon cheval, très dur. Björn Gould, il n'y a pas de rentrée chez lui, c'est fin prêt, je serais très déçu de ne pas le voir dans les 5 demain. Les outsiders, le premier, le numéro 8, Éclair du Mirel, déféré des 4, c'est un 6 ans, le premier que je mets 6 ans dans la sélection, redoutable finisseur, il monte en puissance, il vient de faire 3ème de l'Overboy et de Martin de Boss, si la course se joue pour lui avec du train, il va finir à fond, j'y crois fort. Deuxième outsider, le numéro 4, Equinox JL, alors lui, le trop monté lui a fait le plus grand bien. C'est un petit dur, mais fait des fautes de temps en temps. Voilà, lui, il lui suffira de rester au trot pour faire l'arrivée. Avec Gabi Gelomini qui s'en sert très très bien. La suite du pronostic, le 3, Martin Debosse qui vient de nous faire une belle rentrée. Philippe Billard, Nivard, déféré des postérieurs, deuxième de l'Overboy. Il était à 18 contre 1. Il peut servir de base. Maintenant, souvent, la deuxième course après une bonne rentrée est moins bonne. Mais je le garde large dans mon pronostic. Ensuite, le 15, Colorado Blue, très très bon cheval, déféré des 4. Lui, c'est un pisteur, voilà. Il vient de faire 3ème avec Gélor Mini fin août d'un quintet. Le lot est un peu meilleur, mais si ça se passe bien, je pense qu'il a sa place dans les 5. Et je termine avec le 14, Bambino Dupré, à 9 ans, déféré des 4. 7 sur 8 depuis qu'il est chez son nouvel entraîneur. Barrier qui s'en sort très très bien. Maintenant, à 9 ans, les plus jeunes, les Européens, faudra que tout se passe bien. En cas de non partant, le numéro 2, Elena Di Quattro, déféré des 4, bonne jument, vient de faire deuxième de l'excellent Valzor Di Poggio. Maintenant, elle rentre un petit peu dans ses gains, mais c'est une jument quand même assez dure. Franck ouvrit dessus, mettez-la dans un champ réduit. Les impasses sont le numéro 5, Evening Star, jument de trop montée, rayure sans problème. Et le numéro 6, Altus Fortis, à 10 ans ferré, ce sera sans moi. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, hier, Golfeur des Loyaux, 5 gagnants, 20 placés, 3ème, coup de 1, bien mené. Maintenant, je pense que s'il aurait voulu plus jouer la gagne, il aurait fait respirer un petit peu. Je pense qu'il a tout envoyé pour lui mettre une vraie course dans les jambes. Je pense qu'il sera encore à suivre la prochaine fois, donc très très bien. Nous espérons Dorgos de Guèze, donc pour le coup de 2, vas-y mon champion. Pour jeudi 17 septembre, en Réunion 1, course 5, une jument que nous avons pris le 26 août sur Laval. Le numéro 8, Filaret du Verger, 5 gagnants, 20 placés, déféré des postérieurs pour la première fois. Philippe Dojard, driver, entraîneur, propriétaire. Elle court pour 20 euros.
Tracé de vitesse, numéro 8, mauvais numéro. Donc je pense que Philippe va reprendre la jument, se caler dans des dos et venir finir ça pour ça, c'est le roi. Le lot est bien composé, il y a la Marmion, il y a la Béloche, il y a la Monclin, il y a la jument de Sébastien Ernaud, donc ça reste un lot quand même très ouvert. Le parcours fera la différence. Qu'elle puisse courir pour 20 euros, je pense pas que ce soit le pur hasard. Il a dû viser cette course-là. Elle est très très bonne sur les parcours de vitesse. Elle s'allonge toujours très très bien. Si Philippe lui donne la bonne course, pour moi, ça sort pas des trois et on espère la victoire. Voilà. Nous les amis, on se donne rendez-vous donc demain pour le quintet vendredi nocturne. Et si le quintet de samedi est très très beau, on se retrouve vendredi sur un live. Je vous donne la réponse demain. Merci à tous. Ciao!